Voilà. Alors, il s'agissait d'un mouvement, d'une suite de Bach. Probablement, les auditeurs ont dû reconnaître Bach. Pièce qui s'appelle Allemande. Alors, c'est une danse de l'époque baroque. Je trouvais ça intéressant d'ailleurs de jouer une Allemande dans un endroit ici aux Invalides. Nous, on s'est tellement battu contre les Allemands que c'est pas plus mal de temps en temps de jouer une Allemande. L'Allemande, elle a cela de particulier que, comme vous avez pu l'entendre, c'est absolument pas une mélodie, mais c'est une espèce de musique harmonique. Qu'est-ce que ça veut dire harmonique? Ça veut dire qu'on a l'impression d'entendre des accords, alors que la flûte est un instrument qui ne peut jouer qu'à une voix. C'est pas comme le piano ou le clavecin ou l'orgue. Donc Jean-Sébastien Bach a trouvé cette formule assez extraordinaire de faire en sorte qu'on a l'impression d'entendre des accords. Je vous donne un exemple. Quand on fait. Voilà, on a un accord de la mineur. Alors, ça, c'est pour les spécialistes, etc., etc. Donc, ce n'est pas de la mélodie. En revanche, ce que je vais jouer maintenant. Alors, là, on change complètement d'époque. On arrive en 1913. Et Claude Debussy, notre grand compositeur français, a écrit une partition qui s'appelle Syrinx et qui est censée illustrer une scène dans une pièce de théâtre, puisque c'était un morceau qu'on insérait dans une pièce de théâtre, et qui est censé décrire le dieu Pan, qui est une espèce d'animal homme, moitié bouc, moitié homme, et dont une nymphe tombe amoureuse. Faut le faire parce que tomber amoureuse d'un demi-bouc, enfin à moins d'avoir perdu l'odorat, je vois pas trop comment c'est possible. Mais enfin, voilà, dans cette histoire, c'est ainsi que ça se passe. Et voilà que ce Pan se met à jouer cette musique extraordinaire de Claude Debussy et qui normalement est censée séduire les nymphes. Alors s'il y a des nymphes derrière l'écran, enfin derrière l'iPhone, et ben ou le Samsung ou tout ce qu'on veut, ben j'espère que je vais vous séduire. Alors là, merci, merci. Là donc c'est une pièce de Debussy. Peut-être certains la connaissent parce qu'elle est très fameuse chez les flûtistes. Syrinx, donc, qui décrit le dieu Pan, dieu de la mythologie, qui joue de la flûte et qui essaye de séduire les nymphes. Ça c'est le poème de Mallarmé.
C'est un type assez répugnant, ce Pan, hein, puisque comme je vous disais, il est à moitié bouc, il est à moitié homme. Et Debussy l'a illustré ainsi. Il a écrit d'ailleurs une autre pièce qui est très très belle, que j'encourage tout le monde à écouter, c'est le Prélude à l'après-midi d'un faune, qui est pour orchestre, mais où la flûte a une grande importance. Parce que la flûte est un instrument qui a repris ses lettres de noblesse au XXe siècle grâce à ce compositeur Debussy, mais d'autres, après Debussy, de la musique de Mozart, et en particulier deux jolis tubes, on va dire, que tout le monde connaît certainement, qui sont extraits de la flûte enchantée. Savoir que la flûte enchantée, c'est un opéra, donc je me sens un peu seul à jouer la flûte enchantée. Et il n'existe rien pour flûte seule dans la flûte enchantée, si ce n'est l'air de la flûte qui est la flûte magique, celle qui permet à Tamino de retrouver Pamina, comme quoi la flûte, ça a des vertus cachées. On peut arriver à faire revenir sa bien-aimée grâce à cet instrument. Il existe une version de l'époque de Mozart pour deux flûtes. Et comme le concert de ce soir est un concert sous le signe de la jeunesse, puisque je ne jouerai pas de flûte, mais je dirigerai l'orchestre du Conservatoire de Paris, et en particulier un ensemble d'instruments à vent, dans deux magnifiques œuvres, une de Mozart et une de Richard Strauss, eh bien, je trouvais que c'était intéressant et important qu'on voit apparaître à l'écran une de mes brillantes étudiantes, qui est une étudiante coréenne, et ensemble, nous allons jouer donc l'Oiseleur, Der Vogelfänger bin ich ja, c'est un air de Papageno, c'est ce type avec les oiseaux dans le dos, il a ça dans une cage, il a des oiseaux, il vend des oiseaux, voilà, à chacun son métier, lui il vend des oiseaux, c'est pas plus mal, la flûte c'est l'instrument qui décrit les oiseaux au XVIIIe siècle. Et puis après, le célèbre air de la Reine de la Nuit, que j'avais prévu de vous chanter naturellement à la base, mais il se trouve que je suis un peu enroué. Puis surtout, comme il fait beau aujourd'hui, je ne voudrais pas gâcher la météo. Donc, l'air de la Reine de la Nuit, où nous sommes là encore tous les deux avec Yoon Seo qui va maintenant apparaître. Bonjour Yoon Seo. Bonjour. Eh bien, on y va. Comme on est un peu avec une partition cette fois-ci, je vais mettre mes lunettes. Voilà. On y va? Oui. Ça, c'est le marchand d'oiseaux. Et maintenant, la mauvaise fée, la Cruella de l'histoire, la reine de la nuit. La reine de la nuit est très en colère, hein. Elle est toujours en colère, d'ailleurs. C'est après. Heureusement que j'ai ma charmante élève
Yunseo. Ah, on y est. On y va? Quand tu veux. Les flûtes. Merci Yunseo. Merci à vous. Merci à vous.